Oh. Alors bonjour à tous. Nous nous retrouvons aujourd'hui sur un jeu incroyable. Oui, alors, je n'ai jamais joué. Par contre, j'ai acheté le jeu il y a quelques minutes, bien sûr, le temps de le télécharger. Parce qu'effectivement, le jeu paraît incroyable. C'est aussi parce qu'il y a le 2 qui va bientôt sortir, j'ai vu ça, donc du coup je me dis non, il faut jouer au 1 premier bien sûr. Donc du coup oui j'ai DLC, j'ai le jeu complet, je crois que c'est ça. Bref, du coup le but, ça va être tout simplement de le faire, de comprendre des choses sans le tutoriel bien sûr. Et puis ensuite, bah quand on est stuck ou des trucs comme ça. Regardez le scénar, les entraînements, des trucs comme ça. Voilà. Alors, on va tout de suite changer le drapeau, bien sûr, c'est très important le drapeau. Oh, j'ai pas encore. Vas-y, on est à l'EZA, bien sûr, très important. Alors, sauvegarde. Ouais, une sauvegarde sans nom, c'est bien. On l'appelle comment? On l'appelle Patoche, bien sûr, parce que Patoche il ira dans l'espace un jour. Du coup, t'es normal, allons-y. Je ne connais pas le jeu, je connais pas les trucs, mais ne vous inquiétez pas. C'est peut-être un peu fort. Ouais, peut-être un peu fort. Alors, attendez. Bonjour à tous. Ouais. Alors, réglage. Audio, atmosphère, comme la musique, bien sûr. En fait, on va tout mettre au même niveau. Voilà. Ah, c'est un petit peu plus calme là, c'est mieux. Alors, comment est-ce qu'on joue? Ok, d'accord. Air de lancement. D'accord. Eh ben alors, on va commencer par faire un vaisseau. Alors attendez, avant ça. J'attrape ce truc. C'est mort. Attendez, hein, ça va commencer YouTube, t'en fais pas. Ah. Voilà, on commence par une petite canette de 7-Up, bien sûr, parce qu'il fait chaud, c'est la canicule. Et tout le monde sait que quand la canicule s'emballe, les cannibales s'enculent. Alors, nanana, bien sûr, au bouton droit de la souris, les flèches. Ouais, j'ai compris. D'accord. Alors. Je ne sais pas du tout ce que c'est, mais c'est pas grave. Capsule de commande, module de rentrée. D'accord. Petite capsule de commande là. Let's go. Alors, le jeu a l'air de bien tourner là. Regarde si mon CPU est peut-être un peu chaud. Effectivement. Et là, je peux pas mettre dans les settings. Alors là, si j'appuie sur échappe, ça fait rien. Et lancer, ouvrir, sauvegarder, ouvrir nouveau. Non. 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 Attendez, hein, on va. Ne vous inquiétez pas. Ok. Et ben, allons. Là, si je fais quitter. Quitter bâtiment. Ah oui, d'accord. Pas sauvegarder, on s'en fout. Là, ça quitte pas le jeu. Parfait. Réglage. Graphisme. Alors, comment on va faire ça? Voilà, sans anti-crénelage là, déjà, ce sera bien mieux. Nombre de pixels lumière. Oui, bien sûr, je sais absolument à quoi ça correspond chaque chose. Sur les textures des reflets de 256. Non, 128.
Oui, bien sûr. Je connais tout ça. Reprends, voilà. Nous allons assembler un véhicule. C'est parti. Parce que tout le monde attendait. Alors, des réservoirs, des propulseurs, des commandes. D'accord, pour l'instant, on n'a pas tout. Les poutrelles. Oh, les grosses poutrelles. Ok. Bon, pour l'instant, on n'a pas grand-chose, donc c'est bien. Contrôleur de Glérine mystérieux. Ah oui, bien sûr. Pour la science. Tiens, ils ont... Ah oui, donc ça, c'est les trucs DLC. Donc ça, on s'en fout un peu. Parachute. Oh. Écoutez, je propose de mettre un parachute. Très important. Non. Oui. Bien, commençons par... Commençons par simplement ceci. Puis, hé. Hey. Est-ce qu'on mettrait pas des petites ailes là? Alors, par contre, j'ai un peu triché, j'ai vu quelques vidéos mais rapides. Hein. C'est pas des. Voilà. Du coup, je sais qu'en cliquant là, voilà, on peut faire de la symétrie incroyable. Mais c'est à peu près tout ce que je sais. Activer le magnétisme. Oh! Oui. Centre de poussée. Ok, mais il y a plein de trucs. Le centre de mouse. Ok, bah je sais pas à quoi ça correspond, mais on y va. On y va, on y va. Alors. Ceci est une fusée incroyable. Bonjour. Ah oui, on peut même venir ici. Salut à tous. Pareil pour le décollage. Ok. Ouais. Alors. Patoche. Reprendre le vol. La station de contrôle. Oui, d'accord. Ah oui, rebonjour, oui bonjour, la station de contrôle. Alors ça va être incroyable. C'est de vos missions, nanana. Oui, d'accord. Bonjour. Ah ouais, d'accord, ok. Ça c'est tout. Bon, on va pas trop se spoil. Mais l'idée, ça va être déjà. Ah mais j'ai. Tiens, tiens, tiens. Il y a donc 3 aires de lancement. Tiens, tiens, tiens. Voler. Ok. Alors, avant tout, il est quelle heure? Il est 18h. Eh bien, disons. Voilà, disons donc. Petite session d'à peu près 1 heure, je ferai le dérochage. Comment est-ce qu'on joue? Oui, bien sûr, avec le RC, ça, je ne sais pas ce que c'est. Oui. Ne vous en faites pas, je suis un. Professionnel. Ressources. Oui. Ok. Je ne sais pas ce que ça fait quand je sélectionne ça, mais je le sélectionne. Ça, c'est beau. Afficher, d'accord, oui, mode amarrage, oui, afficher la carte, non, mode manœuvre, je suis en mode manœuvre, bien sûr, et bah c'est bien, du coup là, oh, d'accord, il suffisait d'appuyer sur espace, ok. Bah c'est trop bien. Trop trop bien. Alors du coup c'est dommage que le parachute ait malencontreusement a été malencontreusement lancé. Mais bon on a quand même on a commencé à faire des trucs. Alors je crois que c'est là pour aller plus vite. Non.
Trop bien. Incroyable. Ça y est. GTO, hein, vous avez vu? Allez, je parle pas du manga. Bien sûr. Allez. Hop. Atterrissage incroyable. Alors, attendez. Il me permet de manger une pâte de fruits. Très important. C'est incroyable. Ok. Bah écoutez, c'était cool, l'OMDR. Ah non, c'est bon. Oui. Bah je sais pas. Ah, ok, on gagne de l'argent en faisant des choses incroyables. Et bah c'est bien. Nous avons donc de la moula. Ok. Ok. Bah écoutez, je ne sais pas, delta V, delta de vitesse, bien sûr. Je ne sais pas ce que je fais, mais je le fais. Ok, alors du coup, si je fais retour au centre spatial, c'est là où il y a les missions, je crois. Non, c'est ici, voilà, bien sûr. Que se trouvent les lieux d'hébergement et de loisirs de tout notre équipage, bien sûr. Recherche et développement, qu'est-ce que c'est que ça? Oh! Bien sûr. Ok, nous avons 4 points de science. Et le but, ça va être de débloquer plein de choses. D'accord. Bon, on n'a rien fait. Eh ben, c'est bien. Station de contrôle peut assurer n'importe quelle mission de la station de contrôle, bien évidemment. Ah oui, on peut faire ça comme ça. Ok. Ok. Écoutez, on va essayer d'aller un peu plus haut cette fois-ci. Et par contre, oui, voilà, il s'agira de ne pas déclencher le parachute instantanément. Donc ça, c'est le coût et ça, c'est notre argent. Oh. Ça, c'est intéressant à avoir, ce genre de... Voilà, tout ça, bien sûr. Propulseur. Commande de contrôle, structure, les poutrelles modulaires, bien sûr. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre à part ça? Science. Les ingénieurs sont tombés sur le conteneur, bien sûr. Oui. Un conteneur hématique apparemment rempli d'une substance étrange. Qu'on a une arme à ouvrir, à briser. Regardez la réaction. Dans cette situation, ça va être très éducatif. D'accord. Eh ben, on en met un. Qu'est-ce que vous en dites? Bah, vous en dites rien. C'est pas toi qui décide. Alors. Utilitaire. Oui, le parachute. Oui. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Ah. Ok. Ouais. Très intéressant tout ça. Du coup, c'est-à-dire que pour l'instant, c'est juste face à la main de nous donner des thunes. Alors, raffinage patate chaude. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Oh, c'est des modules tout simplement pour. Bien sûr, d'accord. D'accord. Équipage, cargaison, changer d'éditeur. Oui, bien sûr. Voilà, non. Comment on fait? Contrôle Z.
pas mettre ça genre à... Ah si, on peut mettre ça à la poubelle. Ok, donc du coup là je fais CTRL U, CTRL Y. Non, pas du tout. D'accord, et ben on va remettre le petit truc là. Ce petit truc là, je sais pas ce que c'est mais on va le mettre. Mettons-le ici bien sûr. Aérodynamisme. Oui. Ok. Bah c'est bien. Ok. Parce que c'est... D'accord. Ah bah c'est bien ça. Situation du vaisseau, altitude. Oui, bien sûr. Oh là, oh là, oh là. Oh. D'accord. Apport d'énergie, pièce, d'accord, oui, d'accord. Oh là là. Je prends deux, trois trucs, mais pas tout, hein. Vous savez, moi je comprends vite, mais il faut m'expliquer longtemps. Placer, déplacer, pivoter. Nouvelle racine. Qu'est-ce que c'est que ça? Bon. Je sais pas. Alors du coup là, juste. Oh. Ok, je sais pas ce que je fais, mais c'est pas grave. Et ça, c'est le résumé. Et bah, c'est bien. Donc, attends. Oui. Ah, ouais, ok. Donc là, je récupère mes pièces parce qu'elles sont... D'accord. Ok, trop bien. Incroyable. Ça c'est beau. Alors par contre, pourquoi est-ce que le parachute lui... Je le pine. Ok. Ok. Ah ouais, donc du coup quand j'ai fait espace à tout. Ok, c'est parti. C'est l'ordre de vérité. J'ai compris. Normalement. Ok. Le 16 et le 16, on verra ce que c'est après. On verra ce que c'est après. Voilà. Là on continue de monter. On est haut cette fois, c'est bien. C'est quoi le sas? Assistant à la stabilité. Le RCS. Je ne sais pas ce que c'est. Du coup, dans le doute, on le désactive, hein, bien sûr. On est haut, hein, c'est bien. C'est cool, hein. Et ben voilà, on s'amuse bien. Allez, on va plus vite, hein. Allez, on déploie le parachute à 5000 mètres? Non, allez, 4000. Oh non, oh ça va péter. Oh non, oh, c'est incroyable. Ok, et ben voilà. Eh. Est-ce que c'est pas une mission incroyable pour Patoche? Voilà, on voit un petit truc là-bas. Ce que c'est. Oh, on peut faire ça. Ah ouais. Ah ouais, mais c'est incroyable. Papam. Ben voilà. Ben voilà, let's go. Du coup, quand j'ai fini mon truc là. Charge électrique. Oui, d'accord, mais... Attendez. Oui, d'accord, mais... Ok. Maintenant, quand j'ai fini ma mission, là, qu'est-ce que je fais, hein? Entre nous. Bien sûr.
Ok, l'électricité. Oh, qu'est-ce qu'on a fait d'extraordinaire aujourd'hui, bien sûr, pour Patoche. Bien sûr, incroyable. Distance au sol, oui. Encore de distance au sol, mais c'est incroyable. Nous avons récolté moult moula. Bien sûr. C'est très très bien. Ces explorations extravéhiculaires, je crois. Supprimer emplacement. Valentina, Valentina. Oh, on peut faire ça. Bonjour Valentina. Hop là. Ok, bah fin de la mission. On fait comment pour faire ça? Bah c'est pas grave. On s'en bat les couilles. On verra plus tard. Ce n'est pas une priorité. Si ça va nappe là. Alors du coup là on a de la science. Qu'on va pouvoir faire de la recherche et développement. C'est incroyable. Ingénierie du dimanche ou alors la muséologie de base. Ah voilà. Et donc du coup là on débloque. On débloque des pièces. Et là. On débloque d'autres pièces. Et bah c'est bien. 5 à 5. Eh bien. Regarde. Moi ce que je propose à ma communauté. C'est de débloquer les deux, bien sûr. Très important. Voilà. Nous nous retrouvons donc avec Patoche. Nous allons pouvoir améliorer notre vaisseau. Nous sommes maintenant des réservoirs incroyables. Alors, s'agira donc de... Bah c'est pas grave. Ok. Ok, bah c'est bien. C'est bien. Non. Non. Comment on fait pour... Voilà. Ok, je supprime. Voilà. Supprime, comme on dit. Donc là, on a plein de propulseurs incroyables. Alors. Parce que pour l'instant, on utilisait... celui-là en propulseur ou celui-là. Non, on utilise celui-ci. Alors, c'est une poubelle qui fait boum. D'accord, ok. Tac-attaque, tac-attaque. Du coup, ça s'en consomme une certaine quantité. Ça s'en consomme une autre quantité, bien sûr. Ah ouais. Ok. Ah ouais, mais celui-là, il coûte beaucoup plus cher. Attention, Michel, hein, ça coûte cher, ça. Boum. On va même faire mieux. On met un réservoir. Là, petit réservoir. On met le petit nouveau propulseur de ses morts. Voilà, on est pas mal. Couplage, qu'est-ce que c'est? Ah oui, ça c'est pour faire des étages. Bon, on fera ça plus tard. On fera ça plus tard. L'aérodynamisme. En 4? 4 c'est bien? J'en sais rien. Boum. Je mets ça en bas, mais je ne sais pas pourquoi. L'aérodynamisme. Alors l'aérodynamisme, le centre là, je ne sais pas à quoi ça correspond, mais j'ai l'impression qu'il faut qu'il soit plutôt au centre. J'en sais rien, je suis pas expert. Centre de poussée, ça par contre il faut que ce soit en bas. Le centre de gravité ici. Ok, alors. Oui. Thermique, électricité, communication. Oh!
est une antenne ultra légère polyvalente adaptée à des communications de moyenne portée, les communications de secours à longue portée, l'espionnage des opérations secrètes du gouvernement. Ah, oh, bien sûr. Ok. Et donc ça sert à faire quoi? Je ne sais pas. La science. Le thermomètre. Thermomètre. Incroyable. Je sais pas si vous pouvez lire les descriptions, mais en tout cas, elles sont incroyables. Et donc, du coup, l'idée est... C'est de mettre un petit thermomètre. Oh! C'est mettre un petit thermomètre ici. Puis un petit truc là. Qu'on mettra en dessous, évidemment, pour éviter de trop perturber les choses. D'ailleurs, je vais déplacer le petit thermomètre. Ok, et eh ben écoutez, il restera là. Cargaison utilitaire, le parachute, bien sûr. Alors, bah écoutez, allons lancer. Petit 7-up là. Alors, comment j'avais fait? Le propulseur à ergol. Et le parachute qu'on ouvrira automatiquement à 3000 mètres. Quoi? Pourquoi pas? Voilà. C'est tout. C'est parti. Je sais pas ce que c'est, mais c'est pas grave. En tout cas. Oh, alors ça. Ça, c'est un vaisseau. Ça, c'est le vaisseau de tout à l'heure, bien sûr. Écoutez. C'est plutôt pas mal. Comment est-ce que tu te sens là-dedans? Tout sympa. Vite. Vite. Retournons. Mode affiché. Mode maintenant. Vite. Il faut partir. Oui. 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 Oscur. Alors ça, par contre, c'est oui. Est-ce qu'on peut genre sortir du véhicule? Pipoup, ok. Comment j'avais fait la dernière fois? Oh. Ce n'est pas grave. J'affiche la carte. De toute façon, nous sommes là. Putain, oui! Oh ouais! Ah ouais, on est là, dis donc! Ça, c'est beau. Oui. Je désaffiche la carte. Mais... Voilà, ah, le manuel. Non, 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 non. Pas ça, non.
Oui. Oui. Il faut... Oui. Réglage. Est-ce qu'on peut... Allô? Oui. Je reprends. Non, je vais au centre spatial. Impossible de regarder la partie maintenant. Ah. Reprendre le vol. Eh bien, Patrick, bravo à vous. Bah, ça a explosé. Est-ce que c'est grave? J'ai envie de dire non. Bah, c'est bien. Bah, voilà. Voilà. Alors, du coup, en collision, oui, bien sûr. Eh bien, oui. Oui. Ça a explosé, hein, bien sûr. Fermé. Bah, c'est pas grave, hein. On a fait plein de choses incroyables. Centre spatial. Ouais, du coup, on n'ira pas en vue pilote, hein. Moi qui vous le dis. Oh, on peut améliorer les bâtiments. Oh là. J'ai cliqué à un endroit. C'est où? Ah, oui. D'accord. Je vous propose un dernier truc pour faire honneur à Patrick. Faisons ceci. C'est quoi la différence? Parce que ça. Rendement à pleine puissance, charge électrique. Ouais, bien sûr. Ouais, je comprends tout ce qui se dit, hein. Bien sûr. De toute façon, moi j'ai fait quelques études hein, là-dedans, donc oui. Ok, on a des variantes de couleurs en plus. C'est incroyable. Ok, alors du coup, ça veut dire que... oui. C'est quoi ce petit truc de merde là? Ce truc de merde. Attendez, il faut se fier aux stats. Nous avons donc une poussée en atmosphère de 162 kilonewtons face à 197. Donc c'est celui-là qui va nous aider à décoller. Celui-ci, par contre, alors pourquoi il coûte plus cher? C'est la question que je me pose. Je veux dire, c'est pas grave. On va faire des choses exceptionnelles. Vous allez voir. Couplage. Nous allons mettre un coupleur juste ici. Ok, vous me suivez jusque-là. Un réservoir. Puis un propulseur. Exactement. Vous avez tout compris. Écoutez, nous allons donc équilibrer. Hop. Alors, l'aérodynamisme. Le centre de poussée. Le centre de masse. Capsule. Oui, la capsule de commande, ça, on s'en fout. Utilitaire, un parachute. Ouais, bon, c'est pour la forme, hein, bien sûr. L'aérodynamisme. Oui. Par contre, oui, je ne sais pas du tout à quoi ça sert. Mais bon, disons que c'est important. Est-ce qu'il faut que l'aérodynamisme soit dans le centre de Mars? Ou au-dessus?
ou en dessous. J'ai envie de dire que la fête soit complète, on s'en fout un peu. Communication. Un communautron. Oui, bonjour. Ah oui, voilà. Non mais 4? Non, non mais qu'un. Tout en haut là. C'est pas magnifique. Ah par contre ça c'est quoi? Version surface. C'est-à-dire que... C'est pas ce que c'est, mais ce n'est pas grave du tout. Ah voilà. Vous voyez un petit peu ce qui va se passer là? Est-ce que pas moi? Ah d'ailleurs! Non. Ah, on fera de la science après. On fera de la science après. Oh oui! Oui, bien sûr. C'est ça que je voulais faire. Couplage. Il va falloir un coupleur. J'ai ceci. Ah! Ah! Comment ça, une nouvelle racine? Ok. Ah, voilà! C'est exactement ça. C'est exactement ça que je voulais. Voilà. C'est magnifique. Hop. Hop. Voilà. En. Ah, par contre, du coup, je vais déplacer ces trucs. Voilà. Regardez ça. Regardez ça. Ça va être incroyable. Bien sûr. On en met 3 parce que c'est très important. Pareil, les thermomètres. On en met 3 aussi. C'est pour la symétrie. Voilà. Alors regardez bien ça. On va l'appeler. Isa. Très important. Voici Isa. Nous allons lancer Isa. Aucun module de commande habité ou pilotable a dit. Comment ça? Je. Comment ça? Enfin, je veux dire. Je veux dire, ça c'est quoi? Aucun contrôle annulé. Non mais... nouveau. Ne pas sauvegarder. Allons-y. C'est parti. Nous recommençons. Ici, couplage. Boum. Réservoir, propulseur, couplage, réservoir, propulseur, voilà, c'est fini. Hop. Non, ce n'est pas ça, ce n'est pas ça. Oui, l'aérodynamique, très important. Paf. Je sais pas à quoi ça va servir, mais c'est là. Il nous faut... Hop. Centré. Il nous en faut 3 que nous rapporterons à la maison comme la coupe. Voilà. Est-ce que Isabelle est prête à être lancée? J'ai envie de dire oui. Donc du coup, on l'appelle Isa, bien sûr.
On va sauvegarder Isa. On va la lancer. C'est parti. Alors. Ok, ça c'est le découpleur. Aïe, merde. Le parachute. Le découpleur. Le propulseur. Le découpleur. Et le propulseur. Je crois que c'est tout. Très bien. Isa ne possède pas de module SAS opérationnel et de pilote. Bah si. Enfin. Je veux dire, il y a quelqu'un quoi. Allez, pas, on y va. Oui. Ok. Donc dès qu'il n'y en a plus, on découple et on active. Boum. Vous allez voir, ça va être incroyable. Vous allez voir, ça va être exceptionnel ce qui va se passer. Boum. Découple. Et voilà. Maintenant, on attend. C'est tout. Vous avez vu un peu? On va loin. Hein. C'est des débris d'Isa? Ah oui, bien sûr. Ok, alors je zoome. Isa, bien sûr. Isa ici, notre seul espoir. Écoutez, on est plutôt pas mal, non? J'ai la carte. Bah écoutez, on va atterrir dans l'océan. On va atterrir dans l'océan, et puis voilà. Et ça, c'est beau. Alors, bah du coup, on va accélérer un petit peu. Oh, c'est magnifique quand même. Écoutez, je vais mettre le parachute une fois qu'on sera dans l'atmosphère. Et ce sera bon, ce sera magnifique. C'est tout ce que j'ai envie de dire. Parce que Isabelle sera là. Isabelle avec nous. Peut-être déployer le parachute à 10 000 mètres? Vous en pensez quoi, les gars? Allez, 5 000 mètres. Voilà. Voilà. Il n'y en a plus qu'à attendre. Oh. Oh. Ok. Voilà, on attend. Et on peut faire ça. Et ça, c'est magnifique. Bref. Allez. On y croit, on y va. Alors, j'ai bien envie de couper le parachute pour accélérer, mais est-ce que je pourrais le redéployer après? Moi, je pense que non. Dans le doute, voilà, bien sûr, nous allons attendre. On a notre ombre ici, bien sûr. Incroyable. Pchou, 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 pchou. Allez, on y va, on y croit. Par contre, je sais pas ce que je vais faire de ça là, s'il faut que j'aille le chercher ou pas. C'est pas grave.
Et oui, plus que quelques dizaines de mètres avant l'atterrissage tant attendu. Et voilà, Isabelle a atterri. Ben voilà, bravo à tous. Bravo à tous, bravo à Isabelle. Bien sûr. Ben voilà. Magnifique. Ok. Et ben voilà. Les écoutilles sont obstruées. Et ben c'est cool. Ben voilà. Magnifique. Alors qu'est-ce qu'on a fait comme exploit? On n'a pas fait d'exploit. Bah super. Super. On s'en fout maintenant. Bah voilà. Incroyable. Sauvegarde. On l'appelle comment? Bah c'est genre Patoche jour 1. Oui. Bah voilà. Centre spatial. Bravo à tous. Voilà qui conclut donc notre première heure de jeu. Incroyable, très satisfaisant en tout cas. Très intéressant à essayer de comprendre ce qui se passe. Je suis très content du jeu, bien sûr. Alors du coup, on va se retrouver bien sûr pour la suite un jour peut-être. Peut-être. Quand j'aurai le temps, quand j'aurai dormi. Je ne sais pas. Allez, sur ce, sauvegarde. Non, j'avais déjà sauvegardé. Bah du coup, retour au menu principal. Voilà. Allez. On se retrouve pour le jour 2. La prochaine fois. Allez, salut.